Bonjour, je me présente, je m'appelle Lucas. Je suis chargé de mission chez Orinox en tant que dessinateur projeteur. J'ai rejoint Orinox il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis arrivé en octobre 2017. Je travaille sur des projets dans l'installation générale. Ça comprend la tuyauterie, ça va jusqu'à la structure, l'électricité, la ventilation. Alors moi, je m'appelle Nicolas Campagneux. Je suis chargé de mission en tant que dessinateur projeteur chez Orinox. Ça fait presque 1 an que je suis chez un client. Donc au chantier de l'Atlantique, à Saint-Nazaire. Et c'est une mission qui concerne surtout de la structure 3D. Orinox recrute régulièrement. Du coup, j'ai tout de suite pensé à Nicolas pour le poste de dessinateur-projeteur. J'ai contacté Nicolas, je lui ai parlé du poste, de l'entreprise. J'ai transmis sa candidature et quelques mois après, il a intégré l'entreprise. Donc j'avais un ami à moi, ça faisait un petit moment qu'il était donc déjà chez Orinox et il me parlait de la bonne ambiance de la boîte, des missions qu'il y faisait. Et il a proposé d'appuyer ma candidature par le biais de la cooptation. Et c'est là que j'ai pu passer donc tous les différents entretiens avant d'intégrer l'équipe d'Orinox. L'avantage pour moi, c'est que je partage une expérience professionnelle avec un très bon ami. En bonus, j'ai eu une prime et c'est pas négligeable. Grâce à Lucas, je savais un petit peu où je mettais les pieds, je savais ce qui m'attendait. Et donc une fois que j'ai pu commencer ma première mission, Lucas, lui, il était là pour moi, donc dès que j'avais un petit souci, que ce soit sur le logiciel ou pour le travail en général, je pouvais le recontacter pour qu'il puisse m'aider sur des détails que moi je ne maîtrisais pas encore. Je suis prêt à coopter de nouveau et d'ailleurs je l'ai déjà fait avec une nouvelle personne qui a intégré l'équipe il y a 3 mois. Moi, à mon tour, je serai prêt à coopter des amis chez Orinox. D'ailleurs, c'est le cas, j'ai déjà fait il y a quelques mois pour un ami qui souhaitait intégrer la boîte.